Bonjour. Malheureusement, j'ai encore beaucoup de personnes qui se laissent distraire par des personnes qui viennent dans votre vie et vous font croire que ces personnes vous connaissent ou encore qu'elles connaissent là où vous êtes en train de partir. Ce message, c'est pour une femme ou un homme qui est dans une relation ou bien qui est chez son cousin, qui dort sur le canapé de son meilleur ami et tu attends le bon moment. Ces personnes ne vont jamais comprendre ce qu'il y a en toi. Et comme les Américains le disent, you have to talk yourself out of that shit, man. Tu dois te parler à toi-même pour sortir de ce trou. Bonjour. Si tu ne te réveilles pas chaque matin avec le sens d'urgence, là, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Là, je ne peux pas rester ici. Je dois me bouger. I can't stay here, man. L'un des trucs qui te mettra toujours le feu aux fesses, ce sont les engagements financiers. Quand tu as un loyer à payer, voilà septembre qui arrive, tu dois payer, tu as quatre enfants que tu dois nourrir, tu dois payer la pension. Est-ce que tu peux être dans dormir à 6h30? Tu dors que tu dors quoi? Même si tu as passé toute la nuit à regarder le film, tu as fermé des yeux à 4h, 5h30, c'est toi qui as cherché, non? Tu as regardé le film, non? 5h30, réveille-toi. Tu dors que tu dors quoi? Vous croyez que vous avez le temps? Tu vas faire comme ça, la pape, tu vas t'amuser comme ça, tu es autour de ses cueils. Qu'on a été enterré. Que tu n'as pas fait tout ce que je voulais partir à Washington. Je voulais aller à Hollywood. Je voulais partir faire ceci. Je voulais être actrice. Et pas tu attendais. Moi, je m'en fous du potentiel. I don't care about it, man. Moi, parfois tu rencontres un homme, il te dit je voulais, je veux, je vais, je peux, je connais. Un mois, 6 mois, je vais, je dis que je vais. Vous connaissez ce qui raccourcit le temps dans votre vie? Quand on dit que le Seigneur fera dans votre vie, ce qu'il n'aimait pas faire en 10 ans, il va faire en 6 mois. Il a besoin de ton action. Quand on prophétise sur vous, on doit vous dire le revers de la prophétie. Si je t'ai dit qu'en 6 mois, Dieu va te donner l'argent qu'il aurait dû te donner en 10 ans, tu dois comprendre que dans les 6 mois, tu vas bosser plus que tu ne pouvais bosser même en 20 ans. Peut-être vous croyez que tu vas te coucher, mais on a déjà donné la prophétie. On a donné la prophétie. Oui, le Seigneur a dit qu'il va le faire. Allez, on va méditer, on va méditer. Allez, on va manger, on va manger. Allons faire du shopping. On fait du shopping. Ah oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Allez, allons au resto. Allons draguer un peu une fille là. Ah ouais, tu sais, ouais, je vais devenir un grand homme d'affaires. Oui, tu vois, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Tu vois, le Seigneur m'a humilié. Il m'a... voilà. Je suis diaconesse, diacre dans mon église. J'évangélise le samedi. Le Seigneur va bouger dans ma vie. Voilà, il a déjà dit. Par la grâce de Dieu, du Seigneur Tout-Puissant. Aïe, 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 vous ne connaissez pas encore. Vous n'avez pas encore souffert. Bonjour, la reine Domi de Lima. Bonjour, étoile filante. Yembe, tu riais. Bonjour, la reine Nathalie.
Tu t'amuses comme ça, tu dors, tu te retrouves à ton enterrement. Hey, vous m'enterrez, c'est comment? Je devais aller pas. Je devais voyager. Je devais aller étudier à l'université de Birmingham. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. La vie est violente et parfois elle est vachement courte. Chaque heure de chaque jour, il y a quelque chose là-dehors que tu peux attraper. Chaque jour, pendant les 24 heures qu'il y a dans cette journée. Vous êtes trop confortable avec votre matelas là vous plaît trop. Hein. Ton matelas est trop doux. Le canapé de ta soeur est trop doux. Tu es chez ta soeur à 30 ans. Hein? Tu es chez ta meilleure amie à 35 ans. Tu les mets mal à l'aise à la maison. On ne sait même plus ce qu'on va te dire. Tu vis encore aux dépens de ta copine. Voilà, tu es l'homme de la maison. C'est la femme qui paye tout à la maison. Tu es pas mal à l'aise. Ça ne cloche pas. Hein? C'est la femme qui va te doter, non? Elle va te doter, non? Wanda Food Palama. Quand la reine Josie va faire ses vidéos, elle va dire, vous allez m'écouter comme la télé. C'est le journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons passer aux faits divers. Un homme a été retrouvé avec 50 armes à feu. Tu finis d'écouter les infos, rien ne change dans ta vie. Vous venez aussi sur ma page, vous venez faire des infos. Une femme me contacte hier, lors de la consultation. Je suis un peu plus disponible pour les consultations, surtout à distance maintenant. Donc, la dame, elle me dit, je te suis depuis 2 mois. Et l'autre jour, quand tu as parlé des belles-mères et tout ça là, je ne sais pas pourquoi ma belle-mère me déteste comme ça. Quand elle raconte le scénario, ce sont les choses que je vous dis, c'est là chaque jour. Donc, sa belle m'a merdé. Il y a un marabout chez lequel elle est mariée depuis 10 ans avec son mari. Et sa belle m'est pas depuis quelque temps chez un marabout. Et par erreur, elle a amené son propre fils, qui est le mari de cette dame, chez le même marabout. Plus tard, le fils décide que je vais. Il dit que, ok, chérie, viens, je vais t'amener chez un monsieur. Donc, le fils amène la femme chez le marabout de sa mère. Elle arrive chez le marabout regarde, on se dit, ah, je comprends. Le marabout lui a tout avoué. Que ta belle-mère vient souvent ici là pour faire, pour travailler contre toi. Que tu as envoûté leur fils. Que je comprends maintenant, quand il te voit, je comprends. Je vois pourquoi on travaille, ça ne marche pas. Je dis qu'arrêtez, arrêtez. Arrêtez de faire vos affaires que vous venez me regarder. Je ne suis pas à la télé. Si vous me voyez dans votre téléphone, c'est vrai, mais les choses que je vous dis, c'est pour changer votre vie. Vous dormez trop. Quand tu rencontres quelqu'un, analyse, observe avec qui tu es en train de partager tes idées. Observe avec qui tu es en train de partager tes projets. Qu'est-ce que la personne a dans sa vie? La personne a quoi que tu vois? Les belles paroles? Je vais. Je sais. Et j'ai la personne à connaître tout. Ça habite tout, mon frère. Je sais. Dès que tu commences à parler, tout ça, là, il connaît, il a fini la femme depuis longtemps. Il a déjà fini. Attends, écoute-moi ce que j'ai dit, non?
Non, 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 Sabi tout connaît. Larissa, je ne veux pas que ça manque mon merci. Mon merci, c'est quand je rencontre quelqu'un dans la rue. Il me dit, je t'écoute. Je t'écoute depuis 6 mois. J'ai acheté 2 terrains. J'ai déjà, me lave avec le sel constamment. J'ai déjà pris 2 kits. J'ai été délivré de ça, ça, ça. C'est ça que c'est voilà pour moi là-bas. Voilà, voilà ma récompense. Bonjour à la reine Becky Azebot. On a fait le tridôme l'autre jour. D'ailleurs, les prières qu'on a fait pendant ce jeûne sont disponibles. Ceux qui veulent l'acheter, si vous avez encore votre jeûne à faire. Oui. C'est une des prières qu'on fait, après je vends ça. Voilà. Une dame m'écrit, le 4, c'était quand même écrit avant-hier. Oui, elle m'écrit avant-hier matin. Elle me dit qu'elle est dépassée. Que voici son témoignage. Depuis qu'elle a accouché son enfant qui a aujourd'hui 4 ans, quand on a fermé son ventre, après avoir fait la césarienne, elle a senti comme s'il y avait un petit serpent dans son ventre, comme s'il y avait un petit truc qui bougeait dans son ventre. Et même quand elle priait, sa bouche était fermée, elle n'arrivait pas à parler contre cette chose dans son ventre. Donc quand elle lançait le jeûne, j'ai lancé le jeûne le 28 juin 2022. Donc on a fait 28, 29, 30. Donc on a fermé le jeûne le 1er juillet 2022 à 6h. Alors, j'ai dit que les prières qu'on a fait pendant ce jeûne sont disponibles pour ceux qui veulent l'acheter. Donc, elle me contacte, elle me dit qu'elle a commencé son jeûne le 1er. Ce qui fait qu'elle a clôturé le jeûne le 4, c'est-à-dire avant-hier. Et elle clôture le jeûne, hier elle paye sa dîme. Et pendant le jeûne, j'avais dit que la seule chose que vous avez le droit de boire, c'est qu'il y a une poudre de désenvoûtement là. Vous achetez ça à 10 000. Et vous buvez, vous faites bouillir, vous buvez 2 jours, vous vous bougez avec le 3e jour. Elle a fait ça. Elle finit son jeûne donc. Le lendemain du jeûne, elle paye sa dîme. Elle paye sa dîme vers 4 heures comme ça, tout comme ça là, oui. Généralement, je me réveille, je vois vos prières, comme je vous ai montré comment payer la dîme déjà. Hop. Elle était assise sur le pont, hein, en train de faire ses besoins. Après, elle sent une violente toux. Elle commence à tousser. Elle tousse. Elle sent un asticot, ce qu'on appelle le tumbou, qui sort de sa gorge. Elle envoie la gorge. Elle tire, elle racle. Elle dit. Donc, quand elle m'envoie le témoignage, je vais demander que l'équipe de Community Management qui poste ça sur le truc, sur la page, vous allez lire son témoignage. Elle dit qu'elle était dépassée. Et là, elle se rappelle que je viens de finir 3 jours de jeûne sec. Et je viens de boire une poudre qui enlève les serpents qu'il y a dans les ventres des gens là. Elle dit que l'asticot est sorti par la bouche. Pendant ces périodes où vous buvez les poudres de désenvoûtement là, je suis sûr que quand vous bougez, il y en a qui sortent. Hafiz Mohamed, c'est celui qui est prêt pour moi qui me trouve. Et c'est celui qui est prêt pour moi qui fait ce que je dis. Et vous dire que si vous cherchez les gens qui vont venir avec le make-up et les beaux habits, Benny dit, mais j'ai dit, hein, vous savez de qui je parle. Je ne suis pas moi là. Je ne suis pas là. Je parlais avec mon vigile l'autre jour. Apparemment, il m'écoutait à la radio l'année passée. Je vois souvent quand il fait le poste de vigile. Tu parfois tu as assis, tu dois. Donc il était abonné à la radio. Donc, c'est l'autre jour, ça fait il y a 3 mois qu'il travaille pour moi. C'est l'autre jour que, dans les commentaires avec les gens au bureau, il se rend compte que c'est moi, Jocelyne Kourou, qui l'écoutait à la radio tout le temps. Donc, l'autre jour, on a fait un petit tour là, ils ont pris, je leur ai donné à boire. Pendant qu'ils étaient en train de boire là, il dit, je ne savais pas que c'était vous, Jocelyne Kourou, mais pourquoi vous êtes aussi simple? J'ai ri, j'ai dit, monsieur. Je n'ai pas moi les gens impressionnés. I don't get people to impress. I don't get time. I don't get time. Si vous êtes encore au niveau, vous devez chercher les gens. Oh non, ils doivent me voir comment je suis habillée. Ils doivent voir comment je suis. Non, 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 vous ne comprenez pas encore. Quand je vois mon papandrier, les t-shirts traditionnels, là, j'ai plein comme ça là-dedans.
T-shirt, jogging. Voltaire, ma structure est formalisée. J'ai un comptable. Je pense, j'ai déjà presque 15 employés. Je paye mes impôts. Tu comprends? Je paye mes impôts. Ma structure est formalisée. J'ai ouvert mon entreprise depuis. Je suis au Cameroun. J'ai ouvert en novembre 2019. The Gift Giga Academy est ouvert. J'ai déjà les succursales. J'ai déjà des magasins qu'ils ont ouverts. Je paye les impôts pour ces magasins-là. Tu as compris? Donc, merci pour la proposition. Par contre, si vous cherchez du boulot, vous pouvez venir déposer votre CV. On cherche actuellement une restauratrice. Donc, si quelqu'un d'entre vous a des capacités, si tu as fait hôtellerie et tu es dans la ville de Douala ou dans la ville de Libreville, femme comme homme, je préfère même un homme parce que les femmes ont commencé à te dire, oh, je vais aller préparer la nourriture de B, tout ça là. Voilà. Restaurateur, caissière ou caissier. Quelqu'un qui peut aussi gérer la caisse, qui a une formation en compta. J'ai déjà un comptable qui gère toutes les succursales. Maintenant, je veux des personnes qui seront caissiers ou caissières. Et aussi, si vous avez des compétences en secrétariat. Ne partez pas vivre à village, vous voulez travailler à Macapé, parce que le bureau est à Macapé. Donc, si vous êtes à plus de 500 de taxi, ne venez pas pas d'eau. Vous devez. Moi, je n'ai plus peur d'être seul. Je n'ai plus peur. Parce qu'on dit toujours que it's lonely at the top. Au sommet, c'est très, très, c'est solitaire. Parce que les gens vont venir, ils vont te faire croire qu'ils connaissent ta vision. Ils vont venir te faire croire que, voilà, il faut laisser, je comprends ce que tu, où tu vas. Ne faites jamais l'erreur. Merci de la reine Jacqueline. Ne faites pas l'erreur de déposer votre vision dans les mains de quelqu'un. Parfois, lui-même, il ne connaît pas là où il part. Il cherche celui qui va l'aider. Toi qui veux porter tous mes trucs, je vais venir déposer dans tes mains. Je suis folle. Ton instinct te dit, lève-toi, tu peux pas faire ça. La personne commence à te dire, ça va pas marcher. Ouais, il faut d'abord étudier le terrain. Il faut d'abord observer. Il faut d'abord voir. On ne sait jamais. Te voilà. Ah, et sans le savoir, le fait que la personne là te découvre, donc te dise même seulement de faire attention, ça vient verser un peu l'eau sur ton feu. Ça vient enlever, ça vient verser l'eau sur ton feu. Juste le fait que tu viennes dire, j'ai l'intention de. Il te dit, ah non, tu sais, moi je suis ici depuis, je suis né dans ce pays. Nous, on maîtrise. Je suis ici depuis 25 ans. Je connais. Moi, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Dès qu'il te dit comme ça là. Dès qu'il te dit comme ça là. C'est pour ça que tu te retrouves, la base de tes rêves sont de partir. De partir à l'eau. Et dès que quelqu'un est venu là-dedans, il a versé sa part. Quelqu'un peut ralentir un élan que tu as pris 6 mois pour construire.
Donc, ça fait 6 mois que tu te prépares. Et tu te lances finalement. Boum. C'est aujourd'hui que tu allais partir créer l'entreprise. C'est aujourd'hui que tu allais partir acheter les chaises pour venir faire ton restaurant. La personne te voit en route. Tu pars où? Je pars à la création d'entreprise. Ah non, 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 tu sais. Non, ne fais pas. Fais d'abord ton business pendant 2 ans avant de créer l'entreprise. Le petit mot que la personne t'a donné. Ça te casse une fois. Bam! Tu rentres. Tu as pris 6 mois pour avoir l'élan là. Tu as pris 6 mois pour te préparer, pour sortir comme tu sortais le jour là. Quand on vous parle des tueurs de rêves, c'est pas la blague. Ils sont dans votre entourage. Ce sont vos oncles, ce sont vos soeurs. Ce sont vos maris, vos femmes là. Vos pères. Moi, je suis ton père, je veux ton bien. I don't want your bien. You don't want my bien. Oh, my bien. Le discernement est tellement important. Le discernement. Tu as suivi les conseils de l'autre là, ça t'a amené où? Parfois, quelqu'un te déconseille. Sur ton truc que tu devais partir faire, ça allait te donner même un petit 50 000 par jour. Chaque jour de la semaine. Après, il te laisse au carrefour, il part. J'ai laissé ça parce que je savais que tu allais me monter l'autre, non? Après, il est occupé, il n'a plus le temps pour toi. J'ai laissé mon rêve pour être pour te suivre. Tu étais bête. Bonjour la reine Amel. Bonjour le roi Amel. C'est bizarre. Vous deux, vous me saluez au même moment. Amel Bella et Amel de Béni. Non, laisse ton école là. Je vais t'amener en Europe. Ah, il a dit qu'il va m'amener en Europe et 4 ans plus tard. C'est comment? Naweti. Je n'ai pas pu en bain. Oh. L'embuscade. Le piège. Le guet-apens. On t'a setopé. Setopé. Tu as été tombé. On t'a setopé, tu es tombé. Bonjour la reine Ophéta. Pardon, donnez-moi mes cœurs. Quand vous collectez sur mon direct, partagez ma vidéo, vous me donnez les cœurs. Voilà les deux choses qu'ils vous demandent. Parce qu'ils ne vous demandent pas l'argent dans Facebook. On va faire les lavages aujourd'hui d'ailleurs. On va faire les lavages. Déjà, il y avait leurs règles depuis là. Vos règles sorcières qui paraissent seulement le premier là. Merci pour les cœurs, merci, merci. Merci, c'est gentil. C'est comme si vous me chatouillez. Merci. Aïe, bonjour la reine Lucrèce. La reine Elise, bonjour. On ne laisse pas sa vie dans les mains de quelqu'un comme ça. À te retrouver demain, tu vas dire, hey, Claudine, bonjour, Claudine Olivia. Hey. Mais je t'ai fait confiance, non, je t'aimais. L'amour n'exclut pas tout ce que vous connaissez à côté. L'amour n'exclut pas ton compte bancaire secret, tes 4 tontines secrètes. Oui. 4 tontines secrètes. Je t'ai dit 2 tontines, les 4 autres, là, ils gardent ça. Aïe, 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 aïe. Et la confiance se mérite. Quelqu'un ne doit pas veiller dans ta vie comme ça là. À cause de ses belles paroles, en une semaine, il est dans ta vie, au centre de ta vie. Il est dans ta maison.
Il contrôle tous tes employés, tous tes ménagères sont sous ses ordres. Oh, il conduit ta voiture. Oh, ton chauffeur le conduit. Oh, tu es fou. Tu es fou. Tu as de payer son loyer. Hop, hop là. Ça se mérite. You de mérite. C'est vrai qu'on ne signe pas les biens séparés quand on est dans une relation sans mariage. Mais vous devez par votre intelligence signer vos biens séparés. Très important. Ça va éviter qu'on te prenne pour une idiote ou pour un idiot. Ça va éviter qu'on te prenne pour une idiote. On dit, oh, laissez, elle a fille là, pardon. Elle là. Il la maîtrise. Il suffit que je sorte mon truc comme ça, je vais faire la moula comme pian pian. Elle va tout oublier. Ouais, Seigneur, Seigneur. Que c'est mon mari. Il veut mon bien. Ma chérie, rien ne te garantit que ton mari là ne va pas aller par une autre petite dehors. Tu vas te rendre compte que l'argent de l'entreprise que tu travailles du pour te travailler, faire tourner l'entreprise là, tu te rends compte que on allait construire un petit duplex à la petite fille là-bas, en bas de votre quartier. Nadine, qui était, achète le savon de déblocage chez moi. Tu as compris? Tu veux la recette? Achète mon savon. Vous aimez le gratuit, non? Tu vas payer pour que je te donne ça aussi. Achète le savon, oui. Il y a tellement de femmes qui viennent. Ouais, Marie, tu sais, j'étais bête. Une est venue à Yaoundé me voir l'autre jour. J'ai dit que Elle a engoté son mari quand il n'avait rien. Comment il n'avait rien? Après, il commence à avoir. Il est seul à avoir. Toi, tu n'as pas. Hein, ma chérie? La soeur de son mari construit la maison de son mari. Ils ont construit des dépendances dehors qu'on peut louer. Les soeurs de son mari ont tellement les mains sur le pied, les yeux sur le bien du mari de cette dame que, comme elle est infirmière, elle veut faire un petit dispensaire dehors. Elle demande à son mari qu'est-ce qu'elle peut avoir le dispensaire pour faire son truc. Le monsieur lui dit qu'il faut qu'elle paye le loyer. Wonderful. Il dit que donc tu payes le loyer chez ton mari. Et ce n'est que récemment qu'elle a découvert qu'il avait une autre femme dans le même quartier, que tout le monde dans la famille connaît, sauf elle. Jusqu'à l'enfant, on faisait l'anniversaire de l'enfant. Elle dit qu'elle a la maison avec lui comme ça, là, que c'est comme, ils sont comme les colocataires, que je paye mon loyer, tu payes ton loyer. Même si elle rentre à minuit, on ne va pas demander que tu étais où. Certaines de vos belles familles ont vu vos étoiles. Hein. C'est une belle famille, son amant pour t'écraser. Elle fait confiance à son mari, non? Elle dit tout à son mari. Et comme on a tapé le ventre de son mari, il a dit qu'elle ne visite personne là. Allez, allons-y. Champ libre. La famille, c'est un peu ton. On apprend les. Elle va encourager notre frère. Elle va l'aider. Elle va faire, il va quitter la cigarette là. Elle va faire, il va se discipliner. Elle va faire, il va aller au travail maintenant à l'heure. Elle va faire, il va avoir la promotion. Te voilà, bien, 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 promotion, bien, il monte, bien, il va en Europe, bien, c'est toi qui le tu es derrière lui, hein. Tu le pousses, tu l'encourages, tu l'encourages, tu l'encourages, tu sais pas comment te sucer ton énergie. Après, tu apprends qu'il est venu, doter une autre femme au pays. Toute la famille était là, toute ta belle famille était là.
je t'encourage un, je m'encourage deux. I de encourage you un, I de encourage myself two. Nous des blagues. Est-ce que tu connais comment tu te sens quand tu sais que tu as une petite réserve d'argent quelque part? Parce que tu sais que ça fait que ham, tu fais hum. Ça fait un pian, tu fais un ping. On va plutôt, on va même pas d'abord te parler n'importe comment dans la maison là. Non. On vient, on va un peu faire comme ça là, tu dis papa. Ils font toutes les toises même. Tu es là, là où tu vis là. Si ton mari meurt, c'est fini pour toi. Tu te foncier, rien n'est rien à ton nom. Et puis quand il a acheté le terrain, vous avez serré le cœur ensemble. Il y a cela 25 ans. Vous avez acheté le terrain là. La période là, vous avez serré le cœur tous les deux, acheté. Est-ce qu'après, dans 20 ans, là, 20 ans plus tard, quand il va montrer le terrain aux gens, est-ce qu'il va dire que tu étais avec lui? Est-ce qu'il va dire que c'est sa femme? Que quand il sortait pour aller bosser dans le chantier à tel endroit pour qu'on le paye, pour qu'il achète le terrain? Non, c'est sa femme qui restait à la maison, elle gardait les enfants. Elle préparait, elle venait même lui donner là au travail. Est-ce qu'il va dire ça? Voilà le duplex. Quand tu penses que tu vas un peu enjoy la maison comme ça, la mauvaise idée. C'est les coépouses que tu veux voir. Et les belles soeurs sont derrière les coépouses là. Ne soyez plus ignorant. Hein. Ne vous voilez plus la face. Il y a des choses que c'était là. C'était là depuis. Tu devais te chercher là. Tu devais te chercher depuis longtemps. Même si tu es dans la même maison, tu te cherches déjà. Tu te cherches. Un jour, j'ai reçu une femme. Elle me dit, je suis mariée. Je viens avec mon mari. J'ai un dragon, ben. Je vais faire mes papiers pour partir. J'ai dit que ben, ma chérie. Je ne parle que mamie. Tu es marié, non? Tu as les enfants, non? Elle dit oui. Mais non, l'homme, c'est là. Elle est sérieuse. Hey, Seigneur. Elle dit que je vais arriver là-bas. Je vais faire même 3 mois avant de dire que je suis arrivé. La femme va abuser. Bonjour, la reine Hortense. Elle dit non, 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 non. Que le gens que vous voyez là, tu fais là. Chaque jour, on garde l'argent, il part, il mange. Dès qu'on est commis un peu, il part, il mange. Pardon. J'ai commencé à mettre mon argent de côté pour faire mes papiers partis. C'est un d'entre vous, vous connaissez que vous auriez pu être plus long si ce n'était la faute de votre mari. Tu regardes la bague, voilà ta récompense. Regarde la bague sous ta main. Regarde. Regarde. Comme tu regardes, ça te plaît là. Et le fait que tu dises que mon mari. Je ne sais pas si quand on dit que mon mari, on vient te donner les billets de banque. C'est à chaque fois qu'on disait que mon mari, on versait l'argent sur Orange Money de quelqu'un. Ce qu'il y a les femmes ici là, que tu passes toute la journée et disant mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Tu te fatigues, tu bois l'eau. Mon mari, 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 mon mari. Après, tu regardes le compte bancaire, 1 million d'euros. Soyez un massage, c'est tout ce que je peux vous dire. Tu as mis tous tes espoirs, tu as vu comment on t'a déposé au carrefour. Tu as aidé sa soeur a eu le boulot. Tu as aidé ceci, ils ont. Mince! Après, on monte ton mari contre toi. Quand c'est en train de commencer, lui-même il va te dire que fais attention à ma soeur. Que ma soeur, que tu as mis avec elle comme ça là. Parce qu'il connaît ce que sa soeur lui dit quand il avait elle. Quand il avait lui. C'est il avait elle. Il avait elle, lui. Sa soeur vient dire à ta femme là, je t'avais dit de ne pas l'épouser, non. Hein? Regarde comment elle t'a ralenti. Regarde. Après que dès que tu rentres, ta soeur, ah, hé, hey, tu es là. Hé, hey, Sandrine. Nah, je disais même à ton frère, à ton mari que. Après, il te dit que. Fais attention. Fais attention.
Ça, c'était avant. Avant, il te disait ça. Est-ce qu'il te dit même encore? Il passe seulement les nuits dehors, non? Il dit que j'étais parti, j'ai voyagé avec ma soeur. C'est la soeur partie au village lui montrer sa nouvelle femme qu'elle veut qu'il prenne. Parce qu'elle sait qu'elle va contrôler la femme là. Moi, il dit seulement vos vies. Je sais que quand il parle comme ça là, parfois j'ai les inspirations. Après, quelqu'un vient me dire que hier, mamie, tu as parlé de ma vie hier dans le direct. J'ai dit oui. Elle vient taper ton manteau de pouvoir. Est-ce que tu visites quelqu'un? Est-ce que tu fais quelque chose de spirituel? Elle veut voir. Dis-moi non. Elle demande à son frère. Après, il vient te demander. Comme son frère, c'est un peu temps. Il y a des choses que tu dois même faire. Tu ne dis même pas à son frère qui est ton mari là. Bonjour le roi, Tala. Tu ne le dis pas. Tu caches. Il y a un truc, tu donnes seulement que lèche, 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 lèche. Tu ne peux pas son bain, tu mets le sel dedans. Il vit, c'est lave seulement. Tu as prié même sur ça. Oui. Bah, tu sais que dans la journée, on va taper son ventre, il va dire. Donc, levez-vous. Si tu ne te lèves pas, tes choses ne vont pas avancer. Alors, une nouvelle journée. Si tu es là comme ça, tu t'assois à la maison, tu regardes, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Passe ton temps sur Facebook alors. Bonjour, lumière. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on a? What do we have? What do we get here? Your life is messed up and it's your fault, you know. Prenez la totale responsabilité des choses qui ne se sont pas passées bien dans votre vie. C'était parce que vous étiez bête à l'époque. I was bête before. Now I am intelligent. I am sage. I was simpleton before. Je disais toutes mes choses. Parce que ta belle-mère souvent te dit, tu sais ma fille, tu es la fille que je n'ai jamais eue. Le terminator. Tu es la fille que je n'ai jamais eue. Évidemment, la mère, tu n'as jamais eu de fille, tu n'as que des garçons. Donc tu n'as pas, je ne suis pas ta fille. I ain't your daughter, you know. I ain't your daughter. So stop calling me my daughter. I ain't your daughter. Come on. C'est quand il va te faire un coup de poignard, tu vas rester, tu vas dire que... Mais si, je croyais que tu étais ma mère. Dans son cœur, tu n'es pas sa fille. Parce qu'on m'a déjà fait le coup. Ah, c'est pour guetter ton, son fils. Pourquoi tu l'achètes la brésilienne à la fille là? Il y a certaines mères qui ne veulent même pas que tu montes dans la voiture de son fils. Je suis la femme de ton fils. Tout ce qui est à lui et à moi. Hmm? What do you want? Les belles mères, mon frère. On aurait dû les appeler les deux mères. Les deux mères. Je crois que c'est quelqu'un que ça l'a travaillé. Il était dépassé par la situation. Après, il a dit que la femme, si on dit l'aide, ce sera trop évident. Donc, on l'appelle belle. Belle mère. Mais à chaque fois qu'il prononçait ses visions, il avait un tic. Il voulait seulement étrangler la mère là. Akazu. Akazu. J'ai eu un problème une fois avec mon ex-mari. Quand on avait les problèmes, il appelait sa mère seulement. Il y avait des problèmes de violence conjugale. Donc, on m'a tapé dessus. On était en France. J'ai appelé la police. Quand la police vient en le cherchant, il appelle sa mère. « Oh maman, elle va me tuer ici en Europe. Oh. Elle veut faire qu'on me rapatrie. Oh. » Je prends le téléphone, je parle à la mère. Je dis que la mère, toi-même, si c'était ta fille qu'on t'appelait comme ça, pourquoi tu... Non, 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 il faut le comprendre. Tu es la femme. Tu es... J'ai dit, « Ah, que zou. » Ok. D'accord. Ok. Je comprends. J'ai les leçons que j'ai appris que sur le terrain. Hein. Akazu. Oui, les consultations, on va faire aujourd'hui à partir de. Je ne sais même pas quelle heure il est.
à partir de... J'ai repris les consultations à distance surtout, je vous dis. Libreville, consultation, Douala, consultation. Yaoundé aussi. J'ai beaucoup de consultations à Yaoundé aujourd'hui. Yaoundé, Libreville, j'ai beaucoup consulté aujourd'hui. Que je reste comme ça là, je regarde la matière. Après j'entends ici au pays que ouais, elle a voulu qu'on le rapatrie, hein? Elle a voulu finir sa vie là-bas en Europe. Je dis que qu'est-ce qui n'a pas marché là? Mais je te dis que le pied de la personne était sur ma gauche et que pendant l'espace de 5 secondes je croyais que j'allais mourir parce que je ne respirais plus. Le message là n'est pas passé. Tu arrives dans une famille à 22 ans. Tu laisses tout à la... Oh, je vous fais confiance, je laisse tout à Dieu. Tu es folle. Tu fais des danses, je laisse tout à Dieu. Tu es folle. Je laisse tout à Dieu. On prend ton nom, on pas déposé chez les gens. Je laisse tout à Dieu. Ah, c'est Dieu qui va me venger. Oh Seigneur. Les belles filles, les belles filles. Vous êtes belles et vous êtes bêtes aussi. C'est même comment avez-vous nom. Voilà tes enfants. L'autre, je parle à l'autre en consultation hier. Elle m'écoute depuis 3 mois. J'ai parlé des lavages et examens ici, fatiguée. J'ai dit, lavez vos enfants avant les examens. J'ai même lancé le kit examen. Elle me dit, la semaine des examens, tous ces enfants de la maison sont tombés malades. C'est pas vous croyez que tout le monde veut tout votre bien, non? Continuez. Laissez à Dieu. Tous les enfants de la maison, tous. Avec son mari, elle ne sait même pas si c'est maintenant, si son frère et soeur seulement ou bien elle ne connaît même pas. Il ne mange plus ta nourriture, il ne te touche plus, rien. Mais donc, elle ne sait même pas ce qu'il le retient encore au pays. Qu'est-ce qu'il le retient encore dans la maison là, elle ne connaît même pas. Mais il est encore là quand même dans la maison. Il est là. Idée. Idée. On allait travailler sur vous comme ça là. C'est ton ami, ton mari en esclavage. On l'a mis en esclavage. Que tout ce qui travaille là. Tout ce qui travaille. Ça doit aller chez eux. Vous devez être très ferme et décisif, slash décisive. Soyez très ferme et décisif, slash décisive. Très important. Bonsoir la reine Kouam depuis Lomé. Parce que vous tournez trop, vous dansez comme la chaise du coiffeur. Un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. On ne sait même pas si vous voulez finalement. Vous voulez quoi? Soyez décisif. Voilà ce que je fais. La règle de base, tu dois avoir minimum 3 sources de revenus différentes. Parce que si le mois ci ne donne pas, l'autre là va donner. Le mois ci l'autre ci ne donne pas, l'autre là va donner. C'est comme ça. That's how it works. Vous voulez faire autre chose, lancez-vous une fois. Josette, on ne m'a plus d'aujourd'hui. Aïe. Ça veut dire qu'il y a un esprit de rejet qu'on a lancé dans ta maison qui est très intense. Travaille seulement. Il y a les kits attirants, je vous ai dit. Kits déblocage. Les choses que tu vas lancer à la maison. Tu verses ça à la maison là-bas. C'est n'importe quoi, on est venu mettre pour faire qu'il y a toujours l'animosité entre vous deux là. J'enlève. Ton kit attirance maintenant, ça restaure ta beauté, ton attirance à toi-même.
tout c'est le travail spirituel. Hein. Pensez pas que vous allez rester comme ça là. Voilà, voilà l'autre truc que la dame me disait hier, dans la consultation. Elle me dit, ah, moi je priais seulement. Je priais moi seulement. Tu ne connais pas une autre prière qu'elle peut faire. J'ai dit, ma chérie, je remercie même Dieu que tu as payé la consultation. Parce que les gens comme vous là, vous attendez toujours. Je prie, non. Ça fait 25 ans que tu pries. Tu n'as pas remarqué que les choses sont en train de partir de mal en pis. Hein? Tu n'as pas remarqué. Hein? Bonjour, on est là. Comme tu viens d'arriver, lave-toi avec le sel. Ceux qui veulent la consultation, je vois vous êtes en train de m'écrire là. La consultation, on pourra en faire aujourd'hui. Et puis on vous envoie les produits par DHL. Lave-toi avec le sel tous les jours. Pas une semaine, pas un jour. Tous les jours, deux fois par jour, prends le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Tu te laves avec, tu te laves avec, tu te laves avec. C'est comme ça que ça commence d'abord. Tu purifies ta maison, tu prends le sel, tu mets là avec le jus, tu lances dans ta maison, tu parles. Bon, il est temps de commencer la journée. Vous devez partir travailler, non? Passez une superbe journée.